double casquette de l'accueil, de l'animation de la salle et de la sommellerie. Donc voilà, c'est à ce titre que vous recevez aujourd'hui ce prix et bien sûr félicitations au chef aussi, en passant. Alors c'est quand même un boulot quand même, surtout dans cette magnifique maison des Têtes, qui est quand même un lieu historique qu'il faut faire vivre et animer. C'est un gros boulot de promouvoir les vins d'Alsace, mais aussi tous les autres. J'ai visité la cave qui est magnifique. Merci. Merci pour le prix déjà. Oui, effectivement, il y a du travail. On est au cœur du vignoble, déjà dans un premier temps. C'est un peu difficile, un peu pris de court parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est difficile parce que le métier tel qu'il est, tel que je le pratique moi, et vraiment la conciliation tout, je connais la cuisine de mon mari, je connais mes clients, je connais les vins, je connais bien sûr les vins d'Alsace, c'est ceux que je promouvois en premier, en deuxième temps les autres, puis à l'international. Et il faut faire une harmonie de tout ça. On est vraiment le lien entre tout ce monde-là. Serge parlait tout à l'heure de ce que les gens nous apportent. Il y a la clientèle qui nous apporte, il y a les vignerons. Enfin, c'est vraiment un métier de rencontre. Même si je suis moins sur le terrain que je l'ai été, je pense quand même à eux et je reste réellement ce trait d'union, voilà, entre la gastronomie et les vins.